Eric Salva, je suis responsable de la franchise Canes Tapas sur la France, directeur France. Canes Tapas est avant tout un mode de vie et une chaîne exclusive sur le marché français. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la gastronomie espagnole est une gastronomie qui pénètre de plus en plus dans nos ménages et dans la vie au quotidien, basée sur le partage, la convivialité. Donc ça n'a pas été très Covid à un moment donné, mais maintenant on va y revenir. Partager dans les mêmes plats, partager des valeurs, l'after work, vivre quelque chose de différent, se rappeler de bons souvenirs qu'on a pu partager à Barcelone, à Madrid, à Alicante ou à Malaga. Et amener aux portes de nos ménages français toute la cuisine espagnole, la gastronomie espagnole. On a aujourd'hui de grands chefs espagnols qui performent dans le monde de la cuisine. Il existe une vraie gastronomie espagnole. Canes Tapas, c'est aussi un projet qui apporte, différenciant par rapport à ce qu'on peut trouver sur la restauration. La restauration, vous avez aujourd'hui beaucoup de pizza, beaucoup de burgers, burger, pizza, burger. D'abord, nos rues en sont pleines. Les centres commerciaux en sont... Il y a une pléthore d'offres abondantes sur ce segment, sur ces segments-là. Sur la gastronomie espagnole, vous n'avez rien. Or, il n'y a rien existant aujourd'hui. Donc on apporte quelque chose. Canes Tapas, c'est des produits originaux qui viennent vraiment d'Espagne. Okay, c'est pas, on ne fait pas une planche de tapas avec des acras de morue ou des boudins antillais. C'est vraiment de la gastronomie espagnole apportée sur le marché français. Nos entrepôts sont basés en Espagne et on importe directement, on s'approvisionne directement depuis l'ensemble de nos entrepôts. On recherche aujourd'hui, d'abord notamment sur la région lyonnaise, qui est la capitale de la gastronomie française, on pense qu'il y a une réelle opportunité pour ce concept. On a déjà 14 établissements en fonctionnement, seulement en 3 ans, donc avec une année de Covid au milieu. Donc on pense qu'on est vraiment très performant. Une rentabilité démontrée, ça c'est important parce que plus qu'un projet, vous pouvez avoir des belles idées. Si ça ne ramène pas d'argent, pour moi, ce n'est pas une belle idée. C'est plus un concept. C'est un non-concept. C'est une belle idée, c'est original, c'est beau, mais ça ne ramène pas d'argent, ce n'est pas possible. Le vrai concept, c'est quand vous gagnez de l'argent. Le mot de la fin, c'est une gastronomie intéressante, un investissement qui est rentable, okay. Et ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est à la fois des personnes qui ont envie de s'investir sur un projet professionnel, un projet de vie également, puisque la tapas, c'est aussi un mode de vie. Et donc voilà ce qu'on recherche aujourd'hui.